Excel, les graphiques en nuage de points. Nous avons ici un grand tableau avec les dates, les montants facturés aux clients et les dépenses kilométriques pour effectuer ces ventes. Donc ce que l'on veut savoir, c'est s'il y a une relation entre le montant des ventes et les kilomètres parcourus. Est-ce que plus on parcourt de kilomètres et plus le montant des ventes est élevé? En gros, est-ce qu'on ne se déplace que pour des grosses affaires? Alors, pour vérifier cela, eh bien, on va faire une représentation en nuage de points qui est très appropriée lorsque l'on a deux variables numériques à croiser. Donc, pour faire cela, on va faire insertion graphique. Dans les graphiques, on a un graphique de type nuage de points. Par contre, il faut quand même les sélectionner. J'avais juste oublié de les sélectionner. Nuage de points, c'est le premier. Donc, vous voyez que là, en fait, on a les points qui se matérialisent dans un axe, dans un graphique à deux dimensions, avec sur un axe les kilomètres parcourus et sur l'autre axe le montant des dépenses. Déjà, on va mettre un titre. Rapport. Entre le montant, entre le kilométrage, pardon, rapport entre le kilométrage et les montants facturés. En 2021, on va quand même préciser l'année. Voilà, ça c'est mon titre. Je souhaite également mettre un titre aux axes. Donc on va à nouveau retourner sur le menu création, ajouter un élément de graphique, titre des axes. Et là, on va rajouter un titre à l'axe horizontal et vertical. Donc, on va cliquer sur autre option. Et là, en cliquant directement sur autre option, il me met des axes partout. Il met des titres sur les axes horizontaux et verticaux. Donc, j'efface le titre par défaut. Et là, je vais mettre mon temps. Facturé. Et ici, on va mettre kilomètre parcouru ou kilomètre tout court. Voilà, donc j'ai mes deux axes qui portent un nom maintenant. On va également essayer d'écrire peut-être cela en un peu plus gros. Donc on va faire format et on va dans l'accueil, là, on va aller directement mettre une taille de 20. Ce n'est pas la peine de sélectionner, hein, puisqu'en fait, c'est tout le bloc qui va se mettre en 20. Et pour les axes, on va les mettre avec une taille de 16. Voilà. Ce que j'aimerais également, c'est que sur l'axe des X, en fait, on n'est pas de chiffre après la virgule. 2000, c'est peut-être pas utile. Donc, je vais sélectionner l'axe des abscisses. Et puis, ici, je vais essayer d'enlever. Donc, je clique sur la série. Hein, là, toujours pareil, option de série. On va gérer les nombres. Et pour les nombres, la catégorie, au lieu de personnaliser, on va ouvrir. Et là, on va chercher monétaire avec 0 décimale. Et on a le symbole euro, c'est parfait. Voilà, donc ça m'enlève les deux chiffres après la virgule. J'aimerais également supprimer le quadrillage horizontal, mais laisser le quadrillage vertical. Alors, pour cela, on sélectionne le quadrillage. Voilà. On retourne dans Ajouter des éléments, on a une option qui s'appelle quadrillage, et là j'ai demandé de retirer le quadrillage horizontal. Voilà, donc comme ça on a les grands pans de dépenses. On aimerait le vertical, on va aussi enlever le quadrillage vertical. Donc je refais la même chose, quadrillage vertical. Il n'y a plus de quadrillage du tout. Voilà.
On va maintenant essayer de changer le symbole. J'ai des petits ronds, je voudrais des losanges, pour que ce soit un peu plus joli. Donc en fait, je vais sélectionner. Je vais essayer de sélectionner mes points. Voilà. Mes points sont sélectionnés. Maintenant, je vais aller dans le pot de peinture pour définir des marques. Des marques qui seront un peu différentes. Donc, on va aller dans Options du marqueur. Et dans les options du marqueur, donc je suis allé dans le pot de peinture, le sous-onglet Marque, Options du marqueur. Et là, j'ai la possibilité de changer le marqueur. Donc, il faut cliquer sur Prédéfini. Et à la place d'un rond, je vais prendre un losange. Et je ne veux pas une taille de 5. On va les augmenter un peu. On va mettre une taille de 6. Ils seront un petit peu plus gros. Normalement, maintenant, j'ai des petits losanges à la place des ronds et qui sont d'ailleurs un tout petit peu plus gros. J'aimerais également afficher la courbe de tendance. Donc, pour afficher cette courbe de tendance, on va retourner dans Création, ajouter un élément de graphique, et là, on peut ajouter la courbe de tendance. On va ajouter une courbe de tendance linéaire. Et cette courbe de tendance linéaire, on va faire un trait plein. Donc, je vais sélectionner cette courbe. On va mettre un trait plein. On ne la veut pas en orange, mais on la veut en bleu foncé. On va mettre un bleu très foncé. Et on veut que ce soit pas des pointillés, mais que ce soit un trait plein. Voilà. On va aussi peut-être augmenter un petit peu sa taille. La largeur, elle n'est pas de 1,5 points. On va mettre une largeur de 2,5 points. Donc, comme ça, elle sera un petit peu plus grosse. Enfin, on va essayer d'y ajouter d'autres éléments. On va essayer de décrire l'équation de la droite. Vous savez, la fameuse équation y égale ax plus b. Donc, courbe de tendance, on va ajouter d'autres options. Et là, donc, on a la possibilité, alors même de faire de la prévision. Hein, là, ce n'est pas approprié, mais on pourrait faire de la prospective. Je vais donc ajouter, moi, l'équation de la droite, y égale 0,04x plus 62,705, et je vais également y ajouter le R2, donc le fameux coefficient de corrélation, là, mi au carré. Donc comme ça, j'ai une valeur qui oscille pour le R de entre 0 et 1, et non pas de moins 1 à plus 1. Voilà, nous avons tous ces éléments qui vont nous permettre de faire une analyse. Donc là, on voit qu'on est à moins de 0,5, donc il y a une petite corrélation, mais elle n'est pas très forte. Elle est juste légère. On va essayer d'augmenter la taille, parce que là c'est écrit en tout petit. Donc on va faire accueil, et au lieu d'écrire en 9, on va la mettre en 12. Mon graphique est fait. On peut éventuellement même changer un peu la couleur. On va écrire en bleu, du titre, des axes. Et des montants facturés, j'ai oublié un S d'ailleurs ici. Voilà. Voilà comment représenter un graphique en nuage de points. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker en cliquant sur le bouton j'aime et de vous abonner à cette chaîne YouTube si elle vous intéresse. Merci.